Bonjour, bonjour et bienvenue dans À Tour de Rôle Horreur. Je suis une nouvelle fois avec mes acolytes, à savoir Malisha. Malisha. C'est ça. Tout à fait. Bienvenue. Merci. De nouveau parmi nous, j'ai envie de dire. De retour. Je suis avec Alexis. Tout à fait. Je suis avec Louise. Bonsoir. Et je suis avec Mallory. Baba. Et pour cette session, nous avons la chance de vous proposer un nouveau MJ. Un MJ particulier puisque c'est un des créateurs du jeu de rôle auquel vous allez jouer et vous avez joué. Je laisse la place à Damien et je vous souhaite une bonne session. Merci. 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 Ouais. Applaudissements. Yeah, on passe prod. Ouais, on est motivé. Eh ben bonjour à tout le monde. Alors vous allez écouter l'héritage Blackford. C'est un scénario des Chantindalos. Les Chantindalos, c'est un jeu de rôle d'investigation et d'horreur inspiré de l'œuvre de Lovecraft. Et qui revisite le mythe de Cthulhu. Tension, angoisse, mécanismes de folie et de décompression sont au centre du jeu. Le plus souvent, l'action se déroule en 1920, dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, à Bath, une ville réelle transformée en une nouvelle Arkham pour les besoins de la fiction. Le 20 septembre, ce sera le lancement du financement participatif des Chantindalos. L'objectif, l'impression d'un manuel clé en main, avec règles, bestiaires, lore détaillé, scénario prêt à jouer, et de nombreuses pistes pour créer vos propres histoires. Dès à présent, vous pouvez nous retrouver sur notre site chantdetindalos.fr, c'est chant comme chanter et pas chant comme le chant qu'on cultive, et télécharger gratuitement le kit d'initiation. Règles, feuilles de personnages, scénario de découverte. Pour commencer, bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 Je vais vous demander à chacun d'entre vous de nous expliquer et de nous présenter un peu le personnage que vous allez incarner. On peut-être commencer par toi, Mallory. D'accord. Du coup, moi je suis Daphné, j'ai 28 ans. Alors je suis bûcheronne de profession. Je suis un peu la médiatrice de la famille, même si j'essaie de m'affirmer un peu plus depuis quelques temps. Alors j'ai une énorme phobie des castors, c'est mes ennemis naturels en tant que bûcheronne. Et quand j'ai peur, j'ai tendance à prendre un bout de bois avec mon petit couteau et à tailler des fourchettes. Voilà. Oui, c'est original. Chacun ses hobbies. Hein. Et quant à toi, Louise ? Alors moi je m'appelle Samantha, j'ai 35 ans et je suis l'aînée de la famille. J'ai une relation assez particulière avec mes frères et sœurs pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de partir pour la Première Guerre mondiale en tant qu'infirmière et j'en suis revenue avec les séquelles et les traumas qui vont avec. Ce qui m'effraie un peu maintenant depuis ce retour de guerre, c'est les grands bruits d'explosion et tout ce qui pète un peu au loin, qui fait du grand vacarme. Donc du coup, pour décompresser, j'aime bien jouer avec mon briquet. Parce que j'ai pris la mauvaise habitude de fumer depuis la guerre, et mon briquet me rassure beaucoup. Oui, ça a laissé des séquelles, mais ça aurait pu être pire. La séquelle la plus terrible étant la mort. T'aurais pu perdre tes bras. Déjà vécu. Et quant à toi, Alexis, tu incarneras Abraham, donc j'ai 26 ans, je suis le petit génie de la famille, je suis parti donc, de la ferme, car j'avais peur des insectes, ça a été un peu ma phobie. Et moi, pour me décontracter, j'ai besoin de nettoyer mes lunettes. Très bien, c'est une façon facile de décompresser à partir du moment où on est bigleux. Ah merde, j'ai pas de lunettes en fait. T'as pas lunettes. Et alors, toi, Malisha, il paraît que tu joues la petite dernière de la famille Blackford. Et oui, moi je suis le dernier bébé de la famille, du coup j'ai 18 ans, je m'appelle Rachel Blackford et je suis éleveuse, c'est moi qui m'occupais des animaux de la ferme. J'adore les animaux, c'est toute ma vie, toute ma courte vie pour l'instant. Pour me détendre, j'aime les câliner, les caresser. Et par contre, je ne supporte pas la maltraitance animale. Si jamais quelqu'un lève la main sur un animal, ça me déclenche directement. Après, d'un point de vue physique, je ne suis pas très grande, je suis très mince, j'ai que 18 ans. Et en plus, je vis dans une ferme pas forcément très riche. Hein. Donc, mais je peux faire mal. Je peux faire mal. Petite mais coriace. Et je suis toujours accompagnée de mon chien Whisky. Alcoolique. Eh bien, espérons que ta courte vie puisse s'allonger. C'est tout le mal qu'on te souhaite et c'est tout le mal que je vous souhaite à vous tous. Merci beaucoup.
Merci. Merci, je crois. Janvier 1920. Samantha, Abraham, Daphné et Rachel, vous êtes une petite famille de fermiers dans le Kentucky. Une petite famille qui chérit sa ferme, le domaine Blackford. Hélas, vos créanciers vous ont rattrapé. Et après avoir tiré jusqu'au moindre dollar de vous, après vous avoir supprimé vos petits moutons, vos petites vaches, vous voilà avec plus rien du tout. Plus rien du tout, pas tout à fait. Il vous reste une chèvre, un petit chien, whisky, et 8,76 $ en poche. Vous avez également 3 jolies cocottes. Et c'est tout ce beau monde qui est devant la ferme, en train de regarder les créanciers prendre possession de la ferme. Une journée triste ? Pas tout à fait. Car un héritage providentiel est comme tombé du ciel, vous arrive à ce moment même, au moment où vous êtes expulsé de votre ferme. Une lettre de notaire vous appelle dans le Grand Nord, à Bath. À Bath, dans le Maine, dont vous savez que votre famille a fui pour des raisons obscures il y a bien longtemps. Grand-papa n'en parlait pas. Il était taiseux. Et quand vous l'interrogiez, dans votre jeunesse, il ne disait rien. Il restait mutique. Vous entamez le long trajet vers la côte, grimpez dans un navire de la Cunard, et puis vous remontez dans les eaux glacées de l'Atlantique jusque dans le Maine. Le navire longe les côtes. Vous passez New York, vous passez le Massachusetts. Et puis bientôt, vous arrivez dans le Maine. Vous remontez l'estuaire de la Kennebec, un fleuve dont les eaux glacées servaient à l'excavation de la glace il y a bien longtemps. Vous remontez l'estuaire à contre-courant, et puis vous voyez bientôt une torchère, les cliquetis du port et des chantiers navals. Dans un brouhaha innommable, vous débarquez sur les docks et vous vous rendez dans le centre-ville devant l'étude du notaire Hans Schilling. Vous êtes devant chez lui, que faites-vous ? C'est là ? Bah, je pense. C'est bien son nom, non ? J'ai l'impression, oui. Bah, on frappe ? Bah, vas-y. Moi, je vais peut-être rester dehors avec les animaux. De toute façon, je suis pas sûre qu'ils acceptent les chiens, donc... Alors, pardon, il s'appelle Whisky, hein. On va pas commencer. Non mais je lui veux que du bien, Whisky, mais je suis pas sûre qu'il l'accepte à l'intérieur. Enfin, reste dehors. Voilà, tout va bien, Rachel, reste là avec Whisky, comme ça en plus tu peux même lui faire un petit tour, hein, qu'il se dégourdisse un peu les pattes. Oui, on va faire ça. Bon allez, je frappe. Tu frappes à la porte. Rachel, tu restes seule dans le vent glacial qui balaye les rues du centre-ville de Bath, et... La porte s'ouvre, elle donne sur une petite étude proprette. Un homme, apprêté, les cheveux tirés vers l'arrière, vous accueille. Ah, bonjour, et à qui ai-je l'honneur ? Bonjour. Bonjour, bonjour, on est les Bradford. Les Blackford. Blackford, oui, pardon. Oui, les Blackford. Ah, très bien, ben je vous attendais. Venez, suivez-moi dans mon bureau, nous avons à parler. Oui, très bien. Il y a juste notre petite sœur qui attend dehors avec le chien pour pas vous embêter. D'accord. Eh bien, vous faites comme vous l'entendez. Les chiens sont les bienvenus ici, mais c'est vrai que je vois que vous êtes accompagné d'un peu plus que des chiens, n'est-ce pas ? Oui. Oui, oui, il y a que quelques petits animaux en plus aussi qui sont avec nous. Ils sont pas méchants, vous inquiétez pas. Ils sont à leur place dehors, en effet. Très bien. Il n'y a pas de soucis. Reste bien. On comprend, il n'y a pas de soucis. Un trêve de bavardage, suivez-moi. Il vous introduit dans un bureau. Vous voyez un bureau en acajou assez bas, en raison de la petite taille de l'homme, pensez-vous. Un bureau tapissé, sur lequel s'empilent des tas de papiers. Il s'assoit lui-même lourdement dans un gros fauteuil brodé. En face... deux petits tabourets. Mais je vous en prie, installez-vous, voyons.
Merci, eh ben, j'avance. Bah, allez-y, installez-vous, moi je reste debout. D'accord, ben, je m'assois aussi alors. Bien, bien, bien. Les Blackford, les Blackford, les Blackford. Une grande famille, les Blackford. Je suis étonné qu'il y ait encore des héritiers, voyez-vous. Enfin. Pourquoi vous êtes étonné? Mais, parce que le vieux, complètement maboule, Edward. Ça c'est grand-père, attention à ce que vous dites quand même, c'est la famille. Merci de respecter au moins notre famille, je vous prierai. Qu'est-ce qu'il a fait, Edward? Oui, oui, Edward, cet homme parfaitement sain d'esprit, qui a vécu cloîtré chez lui pendant un demi-siècle sans recevoir personne et qui a laissé votre manoir tomber en lambeaux. Un manoir? Si on veut, on l'appelait comme ça à l'époque. Aujourd'hui, je crois pas que ce soit un manoir. Mais enfin, vous avez les papiers. Il fait un petit signe de la main. Et une secrétaire entre avec un carton qu'elle pose sur la table. Bonjour, merci. Elle est taiseuse, tourne les talons et ne vous adresse pas la parole en sortant. Très poli tout ça. Au revoir. Oui, ce sont les papiers du domaine. Vous m'excuserez, je n'ai pas mis d'ordre dedans. Mes honoraires sont déjà très faibles. Vous m'avez déstabilisé. Avec vos histoires de famille à respecter. Je respecte grandement les Blackford, savez-vous. Écoutez, si vous avez des choses à dire, au pire, dites-les. Alors, non, on va se concentrer sur pourquoi on est venu ici. C'est juste que notre grand-père nous a pas vraiment parlé de sa vie ici. Donc, on savait même pas qu'il y avait un manoir ou un domaine. Il avait rien dit, en fait. Il s'est toujours tuté par rapport à cette vie ici. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on est surpris que vous parliez de manoir et d'héritage, parce que... Bah, on pensait pas qu'il y avait d'héritage, en fait. Vous êtes surpris. Vous êtes surpris, alors vous le saurez peut-être encore plus en découvrant que la mérule ronge les poutres de cette maison et que c'est la raison pour laquelle la mairie a décidé dans 2 semaines d'enquêter sur la maison. Vous voyez ? D'enquêter pour voir si elle allait pas tout bonnement la détruire par crainte de la contagion. Elle est insalubre. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Oh, okay, d'accord, okay. C'est ce que je dis. Elle est insalubre, donc vous avez du pain sur la planche, si vous voulez faire en sorte que ça se voit pas trop, quoi. D'accord, donc vous nous avez fait venir jusqu'ici pour un manoir insalubre. Mais c'est pas moi qui vous ai fait venir. Moi, je n'ai fait qu'exécuter les dernières volontés testamentaires. Je ne suis qu'un exécutant, voyez-vous. D'accord. Bon, c'est pas grave. Écoutez, de toute façon, on va bien jeter un coup d'œil au manoir et à ce qu'il y en a, de toute façon... Ouais, continuez. Oui, et puis si vous n'êtes pas satisfait, sachez que vous pourrez revenir ici, et puis on pourra parler peut-être de cession du domaine. Les terres m'intéressent, je ne m'en cache pas. Ah, il y a beaucoup de terres ? Ah oui, il y a beaucoup de terres. Alors pour l'instant, le potentiel de la maison est complètement inexploité, mais bon. Bah écoutez, on ira voir le domaine, et puis on en discutera entre nous, et on verra ce qu'on fera, et puis on vous recontactera, En tout cas, ma porte est toujours ouverte aux gens de bonne volonté comme vous. C'est noté, parfait. Merci. Un petit sourire crispé et figé anime sa face avide et contorsionnée par le désir d'argent. Vous êtes conduit à nouveau à l'entrée, la porte du bureau se ferme derrière vous. Et la secrétaire s'adresse à vous. Ah, je sais pas si Maître Schilling vous a dit. Vous a dit ? Quoi donc ? Qu'est-ce qu'il aurait dû nous dire ? Non, excusez-moi, je suis un peu confuse. Qu'il y a une calèche municipale qui se rend dans votre domaine parce qu'il est perdu loin dans les bois. Non, il ne nous en a pas parlé. Ah, il vous en a pas parlé. Écoutez, c'est à 3 rues d'ici. Je vous montre le chemin si vous voulez. Parce que là, chargé comme vous êtes, vous comprenez, ça va être compliqué de marcher dans les bois. En plus, il y a les loups à cette heure-ci. Enfin. Des loups ? Oui, des loups, bien sûr. Oui. Oui, on apprécie l'aide. Merci. Merci pour la calèche. Oui. Vous allez prendre la calèche. Vous la verrez. Vous ne pouvez pas le manquer. Le cocher est absolument hideux. Sympathique de le préciser. Oui, c'est monsieur Metzinger, c'est un petit sujet de blague par ici. Et il accepte les animaux à l'intérieur de sa calèche ? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, c'est un service municipal qui a été instauré en raison de la présence de votre voisin au conseil municipal, monsieur Tristan Longuepée. Monsieur Tristan Longuepée est un éleveur. D'accord. Ah d'accord, oui, non, parce que vous nous dites des noms, mais vu qu'on débarque, on a un perse, mais...
c'est pas grave. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas du cru, ça. Du tout, Kentucky. Ouais, ça s'entend à votre accent barbare. Bien. Sud. Au revoir. Bonne journée, madame. Au revoir. Vous retrouvez, juste à l'extérieur, Rachel. Rachel et ses animaux. Alors du coup, des infos ? Ouais, on a hérité d'un manoir. Et d'un domaine. Un domaine ? En ruine, je précise. En ruine. Et apparemment, papy ici, il sortait pas de chez lui. Ouais, le notaire a dit que c'était un fou cinglé, genre type ermite, qui a passé, il a dit, je cite, un demi-siècle enfermé chez lui. Ah ouais. Ouais. Et pour aller jusqu'au manoir, il faut qu'on monte dans une charrette, parce que c'est un peu long au milieu des bois et au milieu des loups. Et le gars accepte les animaux parce qu'il a pas le choix. Donc t'inquiète pas, on pourra emmener les poules, la chèvre et le whisky. Ah mais il y a du terrain. Ça veut dire qu'on va pouvoir élever des animaux ? En sachant que notre voisin, apparemment, c'est un éleveur. Ouais. Ah ouais ? C'est un éleveur de quoi ? On n'a pas demandé ça encore. Tristan, je sais plus comment... Longue épée. Voilà. Quoi ? Tristan, longue épée. Longue bon, épée ? En tout cas, la maison est... a pas l'air habitable de ce qu'ils en parlent. Enfin, ça a l'air insalubre. Donc on y va, on voit ce que ça donne. Et puis en fonction de l'état du terrain, soit on revend, soit on rebâtit un truc. Enfin, on est ruiné quand même. Ouais, on peut élever des animaux. On pourra les vendre. Oui, ou alors on pourra vendre le terrain. On va voir la tête de quoi ce que oui, c'est. Oui, voilà, peut-être déjà aller voir. D'accord. Avant de prendre une décision. On n'écarte pas ton hypothèse de garder le terrain et de l'exploiter. Okay. Mais déjà, on constate. D'accord. On constate. Ok. Elle est où cette foutue calèche ? Il a dit à 3 rues d'ici. Elle a dit à 3 rues d'ici. Alors à 3 rues à droite ou 3 rues à gauche ? Elle vous a montré le chemin. Vous retrouvez sans difficulté l'arrêt de la calèche. Et à mesure que vous attendez, vous voyez les rues se vider, le jour décliner, et vous voyez les hauts pins de la forêt de Bois de Nam osciller comme balancés par le vent. La neige tombe par poches par terre et s'encroûte au sol. Et puis, au bout d'un moment, vous voyez deux chevaux de trait dont les sabots battent le pavé. Clonk, clonk, clonk. Un homme gigantesque, obèse, enveloppé dans son trench coat, avec un fedora tiré jusqu'aux sourcils, mène les chevaux. Il s'arrête devant vous. Kalesh Metzinger, vous voulez monter ? Oui, vous êtes la personne dont on nous a parlé qui doit nous emmener au manoir de Blackford, c'est ça ? Oui, je passe pas loin du manoir Blackford, oui. Oui, à travers les bois, bah, c'est nous. Voilà. C'est vous, d'accord. Mais vous pouvez monter. Ok. Vous êtes toujours les bienvenus à bord de la calèche Metzinger. Merci. C'est bien aimable, monsieur. Whisky au pied. Vous grimpez dans une calèche au charme rustique et au confort d'intérieur à peu près inexistant. Tu arrives, Rachel, tant bien que mal, à installer tes différents animaux dans la calèche. Vous grimpez les uns sur les autres, aussi en raison de la présence d'un homme lui aussi massif, très bien vêtu, portant à haute forme et une canne, avec un air jovial qui vous attend, enfin qui est à l'intérieur de la calèche. Et puis la calèche reprend son chemin lentement, les chevaux de trait tirent le tout. L'homme incline son chapeau. Bonsoir. 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 Enchanté, Abraham. Abraham, Monsieur Bancroft, il te serre la main. Oui. D'accord. Une poigne virile, ferme. Ça t'impressionne? Enchanté, monsieur. Samantha Blackford, l'aîné. Samantha, toi, tu trouves sa poignée de main poisseuse. Elle te dégoûte un peu. Mm. Bonjour, moi, c'est Daphné. Daphné. Mm. Et moi, vous? C'est Rachel. Je m'appelle Rachel. Vous vous appelez Rachel. Eh bien. Très bien, où est-ce que vous vous rendez? On va dans un manoir. Vous c'est allez dans un... Oui, nous sommes les héritiers de la propriété Blackford. Non, vous m'en direz tant. La propriété Blackford, vraiment? Tout à fait, oui. Oui, il paraît que c'est chez nous. Moi qui pensais qu'elle allait finir en possession municipale, ou mieux, agrégée aux terres de Tristan Longuepée. Je vois qu'il n'en est rien. Et puis vous êtes bien vaillant. Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses sur la ville, vous êtes d'ici?
Si je suis d'ici, je suis la ville de base. Vous n'avez... Sérieusement, Robert Bancroft, vous n'avez jamais entendu parler de moi. Vous excuserez notre manque de connaissances, mais nous venons d'arriver. Ah, un très long voyage. Vous venez d'arriver. Exactement. Nos ancêtres ont vécu ici il y a pas mal d'années, mais on sait rien sur cette ville. C'est pour ça qu'on est assez ignorant. Et d'où est-ce que vous nous arrivez alors? Kentucky, monsieur. Du Kentucky, et on ne connaît pas mon nom dans le Kentucky. Il fait pas ça. Jusque-là, malheureusement. Il fait ça et il met les deux, il pose les deux paumes sur son cœur pour montrer qu'il est vexé. Je pensais ma notoriété un peu plus importante. La calèche s'éloigne petit à petit et vous entrez sur le sentier chaotique à l'intérieur du bois de Boisdenham. La canopée est dense, laissant filtrer très peu de lumière, et puis en plus, la neige s'est posée par-dessus, formant comme une chape qui obscurcit tout. Vous êtes dans une obscurité quasiment totale et est dissipé par la lampe à pétrole du cocher qui se balance clonk, 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 à mesure que vous avancez. Eh bien moi, figurez-vous, c'est Robert Bancroft qui reprend, je me rends chez votre voisin, Monsieur Longue Épée, un ami de longue date, un ami du conseil municipal. Et ça fait longtemps que sa famille, du coup, ils sont sur sa terre? Peut-être qu'ils ont connu notre arrière-grand-père, enfin grand-père, nos ancêtres, ici Ah, oui, sans doute, vous voulez dire Edward Blackford? Oui, c'est ça. Enfin, oui, non, mais oui, lui, ça peut pas être votre grand-père, enfin, pas à proprement parler. Je le sais de source sûre. Si, c'est notre grand-père. Je pense que c'est votre cousin éloigné. Votre grand-père, ça m'étonnerait. C'est marrant, quand même, dans cette ville, vous avez tous une image drastiquement opposée de nous, enfin... On n'a pas du tout la même vision de papy, quoi. Et juste petite question, pourquoi ça pourrait pas être notre grand-père? Parce que il s'est... comment dire... en présence de trois femmes. Il s'est châtré. Il s'est châtré pour ne pas succomber à la tentation. Ça veut dire quoi, châtré? Tu demanderas à ton frère. Abraham, ça veut dire quoi, châtré? On en discutera plus tard. Châtré, Rachel, vous dites... Oui. Châtré, ça veut dire qu'il ne pourra pas, qu'il n'a jamais pu avoir de petite Rachel. Voilà ce que ça veut dire. Ah, mais c'est comme le cousin, l'autre, là. C'était un accident. Oui, c'est pareil. Mais c'est un accident. Ah, comme avec les porcs. C'est ça, tout exactement. À fait. D'accord. T'as tout compris. Ah bah oui, mais je sais ce que c'est. Bon, il y a ça, et puis il y a le fait qu'il a assassiné sa sœur. Ça, évidemment... Je vous demande pardon. Vous pouvez répéter? Oui, Edward Blackford. Il a donné un grand coup de hache dans Elizabeth Blackford. Tout le monde le connaît. On n'a jamais retrouvé le corps. Mais bon. Votre tension à tous augmente d'un point. Je fais une petite parenthèse. Votre grand-père, c'est pas lui, hein. Votre grand-père, il a fui. Okay. Donc je pense qu'on s'est mal oui, compris. Oui. Votre grand-père, il a fui. Il a fui le Maine. Voilà. D'accord. Voilà tout. Donc là, vous héritez de gens dont vous avez littéralement jamais entendu parler. Ok. Voilà. Et papy a fui. Ok. Et papy a fui. Ouais. On peut reprendre. Est-ce que du coup, on a besoin de se dire ah mais attends non c'est pas papy parce que mais non enfin on peut dire oui papy ça fait pas oui, oui. Est-ce que nous on se corrige est-ce qu'on se corrige non mais peut-être que vous pouvez faire un truc du style oui papy que... oui voilà papy ou papy non parce que papy il a un prénom café grand le même oui alors attends comme ça absolument votre papy s'appelle Samson. Mais vu qu'on l'appelait papy, on connaissait pas son prénom. Mais... Ouais, mais papy parce que c'est le vieux Blackford, quoi. Tu vois, vous pouvez dire ouais. Ça. Ouais, voilà. Quelque chose comme ça, tu vois, tu te reprends okay. En disant... voilà. On reprend. La calèche avance, tourne à droite, tourne à gauche. Le vent balaye toujours les arbres. Et vous entendez, au loin, le hurlement des loups. Comme un lointain son plaintif. Votre tension augmente encore de 1. Du calme, Whisky, du calme. Reste là. Le Kentucky me manque. Je glisse la main dans ma poche et commence à jouer discrètement avec la roulette de mon briquet. La main dans la poche, le sort pas, je mets juste la main dans ma poche. Droite. Vous en faites pas, voyons. C'est jamais que des loups. Ça fait depuis 1914 que personne n'a jamais vu la bête de Boisdenham. La bête qui rôde dans le bois. Ouais, rendez compte. C'est comme la bête du Gévaudan en France que vous êtes en train de me dire.
Oui, si vous voulez. C'est vrai que les comparaisons ont eu lieu. Mais enfin bon, la différence c'est que la bête du Gévaudan, elle a vraiment existé, alors que la bête du Bois de Dame, c'est des racontars pour bonnes femmes. Merci beaucoup. Enfin, vous y croyez pas, vous avez l'air d'être des gens rationnels, cultivés. Oui, totalement. Mais par contre, vu qu'on sait pas du tout de quoi vous parlez, c'est quoi cette légende, cette histoire? Ah, qu'est-ce que c'est que la bête de Bois de Dame? Oui. Oui, depuis des générations. Des générations, depuis même, je dirais, des siècles. On parle d'actes atroces, de mutilations dans les bois. On pense que les gens auraient été... dévorés tout cru par la bête. On pense que les épidémies de cannibalisme aussi, notamment qui ont eu lieu dans la maison Aigrefeuille... j'allais dire c'est vos voisins. Non, depuis les années 1860, ce ne sont plus vos voisins. Plus personne n'habite dans la maison Aigrefeuille. Ils se sont entre-dévorés. Un massacre sanglant, atroce. Oh ouais, parce que vous nous racontez là. Les loups, ça mange pas les gens. Ah ouais? Bah ouais. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est une légende, du coup. C'est pour ça que c'est une légende, et que mon hypothèse, c'est qu'il y a simplement des criminels qui ont sauté sur l'occasion. L'occasion d'une croyance populaire, stupide, folklorique, pour débiter... Des obscénités, des foutaises. Oui, des foutaises, pour maquiller leurs crimes, surtout. C'est quoi un cannibale? C'est quelqu'un qui mange des hommes. On a le droit de manger des humains? Non. Enfin, un homme qui mange des hommes, oui. On appelle ça aussi l'anthropophagie. C'est illégal. L'anthropophagie quoi? Anthropophagie, c'est anthropo. Enfin, tu te connais ça, toi, anthropo, machin, un truc bidule, là. Anthropophagie, tout à fait. Mais non, on ne mange pas les humains. D'accord. Et du coup, la maison Aigrefeuille, ils se sont mangés entre eux? Oui, enfin bon, je connais pas bien, vous savez, moi, tous ces détails macabres, ça me repousse un peu, dit-il avec un grand sourire qui lui illumine le visage. Ah oui, ça se voit vachement. Mais notre voisin, il est pas éleveur? Non, c'est d'autres voisins. C'est d'autres voisins, un peu plus loin. Monsieur Tristan, j'ai pas retenu son nom de famille. Oui, monsieur Longuepée. Il est toujours là, mais la maison Aigrefeuille, corrigez-moi si je me trompe, a été désertée depuis. Oui, elle est plus habitée oui. depuis. Et puis personne ne l'a repris, cette maison. Non, personne ne l'a repris. Oh, je pense qu'ils ont pas voulu après le massacre. Il y a des terres. Il n'y a pas beaucoup de terres, mais il paraît que si vous y rendez, vous voyez encore le sol incrusté dans le bois. Non merci, j'ai déjà vu suffisamment d'horreur pendant la guerre. Moi je ne m'y suis jamais rendu. Et là encore, un sourire lui fend le visage en deux, d'une oreille à l'autre. Évidemment. La calèche émerge du bois, dans une clairière, où les herbes folles percent à travers la neige, et puis elle s'arrête. Elle s'arrête, vous voyez deux bâtisses au loin qui se font face. Le cocher lève la main et dit « Voilà, tout le monde descend !» Merci. Merci bien. Et si vous voulez revenir en ville, je repasse dans une semaine. Une semaine? Ah oui, on nous avait pas prévu. Oui, je passe toutes les semaines. D'accord, et à pied de ici jusqu'en ville, il y a combien de temps? Bah, je sais pas, je l'ai jamais fait. Ah, on a mis combien de temps, là, pour venir? Vous avez mis à peu près une demi-heure. Ouais, donc on doit avoir au moins deux bonnes heures. Facilement. Oui. En tout dans le genre, ok. Mais enfin, je vous conseillerais pas de le faire, vous êtes pas solide comme mes chevaux. Vous allez glisser sur la glace. Bah, on n'a pas trop le choix si vous revenez que dans une semaine. Bah, vous avez le choix de m'attendre. Ouais, bah on vous attendra chez le voisin au chaud, parce que moi j'attends pas dans un manoir en ruine. Hein. Et on n'a pas à manger. Ouais, on n'a pas de la bouffe. Bon, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Juste, des deux bâtisses, la nôtre c'est laquelle? Alors, tu vois immédiatement laquelle est la vôtre. Ah oui, attends, c'est celle où il n'y a pas de lumière en fait, c'est oui. Ça? Ouais, ok. C'est celle qui tombe en ruine. Celle sur la droite, en fait, il y a comme un jeu de miroir entre ces deux corps de ferme qui sont tous les deux massifs, qui ont l'air d'appartenir à des grands terrains leur appartenant. Mais d'un côté, il y a la ferme des Longuepées, avec ses palissades, avec son activité, avec ses lumières, avec également ces champs dont l'herbe est soigneusement entretenue,
Et puis, il y a votre friche au sein de laquelle une bicoque gigantesque tombe en ruine. C'est du moins comme ça que ça vous apparaît. D'accord. C'est là qu'on va devoir dormir ? Oui. Non. J'ai jamais autant regretté notre ferme. On peut rentrer chez nous ? On n'a plus de chez nous. Merci, c'est notre nouveau chez nous. La calèche repart et vous voyez le gros cocher s'éloigner au loin, toujours avec sa lampe à pétrole qui se balance et disparaître dans l'obscurité. Bancroft, avec son pommeau de canne, lève le bord de son chapeau de forme et dit « Bon bah, à plus tard, peut-être. Et puis, bonne installation chez vous, n'est-ce pas ?» Merci. Je vois que vous aimez l'humour, monsieur. Bonne installation chez vous également. Au revoir. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez des problèmes, vous venez me voir. L'immobilier, il porte un nom à bas. Robert Bancroft. Et vous pourrez passer le bonjour à monsieur Longuepé. Oui. Je passerai le bonjour. Il sera ravi. Ravi de savoir qu'il a de nouveaux voisins. Parfait. Absolument ravi. Il sera enchanté. Très bien. Ben, au revoir. Allez, au revoir. Et lui encore, se balançant d'une jambe à l'autre. Et s'amusant à faire un peu de bruit contre les pierres avec sa canne, s'éloigne. Est-ce que quelqu'un aurait l'heure ? Non. En vrai, non. Vous avez l'heure ? Abraham ? Non, je n'ai pas l'heure. Tu as l'heure, il est 20h30. Ah oui, attendez, je prends ma montre. 20h30. Wow. Bon, est-ce qu'on fait le tour de la maison ce soir ou est-ce qu'on va toquer chez le voisin maintenant ? En lui disant qu'on regardera l'état de la maison demain. Parce que là, je vous avoue que dormir là-dedans... Non. Oui, on devrait aller chez le voisin. C'est mieux, parce qu'on est en janvier. La nuit va être très très froide. Donc autant aller chez le voisin. On verra les dégâts. Ta chèvre belle, Rachel. Oh punaise, elle m'a foutu les chocottes celle-là. Rachel, tes animaux. Tu peux pas les tenir. Chèvrefeuille, qu'est-ce qu'il y a, chèvrefeuille? Bon, moi je suis chez le voisin. Calme-toi, tout va bien, je suis là, ne t'en fais pas. Elle a l'air agitée. Tout va bien. Et vous êtes... Les loups, c'est rien que des chiens sauvages, c'est pas grave. Vous êtes dans une clairière entourée de bois de toutes parts. Bon, on se dépêche, on va chez le monsieur là. Monsieur Longuepé. Oui, j'espère qu'il aime les chiens et les chèvres. C'est un corps de ferme, il a sûrement plein d'animaux. Ouais, mais je suis pas sûre qu'il les a parce qu'il les aime. Vous emboîtez en fait le pas de monsieur Bancroft, alors avec quelques dizaines de mètres de retard à cause de votre indécision et de votre peu d'envie de vous rendre chez vous. Et vous arrivez devant une belle ferme soigneusement entretenue avec des hautes palissades. Sur ces palissades pendent à des crocs de boucher de loups. Votre tension à tous augmente encore dehors. Je crois que je l'aime pas. Rachel, regarde pas. Je crois que je l'aime pas du tout. C'est quoi cette idée de pendre des loups à l'entrée ? Écoute, peut-être qu'il y avait des brebis ou des troupeaux qui se faisaient attaquer et on a entendu des loups dans les bois. Et alors, oui, au moins on est en sécurité. Whisky ne partage pas ton impression de sécurité. Whisky ne partage pas ton impression. Normal, c'est un cousin, le loup. C'est un chien, heureusement qu'il partage pas mon impression. C'est pas qu'un chien, c'est Whisky. Bon, je vais frapper. C'est bon, bouchez les nez, bouchez vos yeux, ce que vous voulez, moi je vais frapper. Et Rachel, calme tes animaux, s'il te plaît. Samantha, tu te saisis du loquet lourd qui retombe sur la porte. Plonk, plonk, plonk. Et puis, la porte s'entr'ouvre, laissant apparaître un grand homme maigre, squelettique, à la peau parcheminée, aux cheveux blancs, peignés vers l'arrière. Il est très bien habillé. Il porte également des gants en cuir et se tient comme à l'étroit dans son costume. Oui ? Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Tristan Longuepé ?